Shalom, j'ai dit concernant pour tomber enceinte. Les femmes qui savent qu'ils ont tout fait pour l'ovule, tout est propre et ne tombent pas enceinte, cherchez à quelqu'un poivre long de Guinée. Je vous ai déjà dit ça plusieurs reprises. Et préparez ça sur le feu. Buvez et lavez votre bas ventre là. Buvez et puis lavez votre bas ventre souvent. Dieu va vous bénir. Soit chercher sabot de bœuf, réduire les impôts. Il faut essayer ce que je vous dis là. D'abord, sabot de bœuf, ce n'est pas moi seul qui publie. Il y a aussi certains prophètes qui le publient. Ça marche. Ça marche à merveille. Maintenant, je vais vous lever un secret contre le prostate. Puis terminer. Vous voyez, prostate, c'est quelque chose qui prive l'homme. Parfois, il n'arrive pas bien à uriner. Prostate, ça tue quand même. Ça tue. Si vous ne le faites pas vite, c'est des opérations. Je vais vous donner une chose. Vous allez chercher les fleurs jaunes d'un papanier mâle, peintées en soucis, fleurs. Les fleurs jaunes d'un papayer mâle, vous cherchez en quantité. Vous allez chercher beaucoup de citron. Beaucoup de citron. Vous allez obtenir au moins un litre ou deux litres de ce citron. Et cherchez aussi en quantité de fleurs, de ces fleurs jaunes-là. Vous pilez les fleurs-là correctement. Correctement, réduisez en poudre correctement. Vous versez la contenu du jus-là, du citron-là dessus. Vous les remuez, vous laissez ça pendant au moins une heure. Et puis, vous allez les filtrer maintenant. Je vous assure, essayez voir. Vous allez les filtrer. Après les avoir filtrés, qu'est-ce que vous allez faire? C'est simple. Buvez deux verres d'alcool matin et soir. Et avec la prière. Ça n'a pas besoin de somme. Et par le pouvoir de l'Éternel des armées, je crois que le prostate là, ça va partir. Mais il y a des choses, n'oubliez pas. Quand vous faites les tisanes là, il faut toujours prier là-dessus. C'est très important. Ou soit vous pouvez le bénir avec le psaume 1. Bénissez à chaque moment vos médicaments avec le psaume 1 ou le psaume 22. Le psaume 1 ou le psaume 22, c'est des psaumes de bénédiction souvent. Voilà. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans le cœur, Béji Raphaël, votre frère de moi. Shalom.